Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Mars, la chaîne du Japap et du Père. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là, nous les soi-disant blogueurs pour donner les infos là sur mieux et dur. Ah ouais, ouais. Hein, la famille. Ouais, vous avez dit que Kimi, petit à petit, elle va commencer à chanter. Les chansons, les nouvelles chansons d'Axel. Ah ouais. Oui. Kimi est sauf que sur-titulaire. Oui. Elle est sur-titulaire. Mais alors, j'ai remarqué quelque chose. Kimi fait ça. Il est temps que vous commencez à donner le mérite et à remercier Kimi. Vous comprenez un peu, non? Kimi n'a pas besoin de faire ce qu'elle... Elle n'est pas obligée de faire ce qu'elle fait là. Mais elle le fait. Vous savez ce qu'elle fait là, ça aide à la promotion d'Axel Méril. Kimi a la visibilité. Donc c'est la promotion qu'elle fait de l'album Température. Elle fait la promotion de l'album de son grand frère, Axel. J'ai compris beaucoup de choses. Oui. J'ai compris beaucoup de choses. Oui. Kimi a beaucoup d'estime pour Axel. Appeler ça qu'elle est amoureuse, ou elle est ceci, d'autres disent non, c'est son ami, son frère, mais elle a d'estime. Vous comprenez? Une chose est sûre, elle a trop d'estime pour cela. On ne sait pas. C'est qu'elle est amoureuse de lui, on n'est pas vraiment fixe, on soupçonne que c'est ça, parce qu'on n'a pas la certitude, on soupçonne que c'est qu'elle est amoureuse d'Axel, ou soit c'est que c'est l'amitié fraternelle, son frère, mais. Une chose est certaine, elle a de l'estime pour lui. Vous comprenez un peu, non? Parce qu'elle fait là, c'est la promotion pour Axel. Vous ne savez pas ça? Oui. Les bien vrais aussi. Ça aide aussi à purifier, laver son esprit, à purifier son esprit. Elle se revendique aussi. Hein? Vous comprenez un peu, non? Elle gagne aussi la sympathie des gens. Vous comprenez? Mais alors, elle aide à la promotion. Oui. Oui, mettre la chanson d'Axel et se mettre à chanter comme ça. Vous savez la visibilité qu'elle a. Vous savez le nombre de likes qu'elle a sur cette vidéo. Nombre de vues qu'elle a. Combien de personnes ont vu ça, ont écouté la chanson d'Axel à travers la vidéo aussi. Qu'elle a, à travers une vidéo comme ça. Vous comprenez un peu. Ça, c'est un côté qu'on est là, on néglige, c'est on dit, oh, les gens, les chansons d'Axel, on est seulement constaté que, oh, elle est amoureuse d'Axel. Oh, on ne voit pas l'autre côté là. On est borné. On ne voit pas l'autre côté que non. Ça, c'est de la bonne promo pour Axel. Vous allez dire, Axel n'a pas besoin, Axel n'a pas besoin, non. Une promotion n'est jamais de trop, vous le savez. Même si tu dis 5 millions de personnes ont déjà écouté ton truc, 10 millions ont écouté, le monde a combien de personnes? 7 milliards, près de 8 milliards de personnes. Tant que tu n'as pas encore ces 8 milliards, ton monde n'a pas encore écouté ta chanson. Donc ça veut dire qu'aucune promotion n'est de trop. Imagine, on est 7 milliards et toi, seulement 5 millions. On dit seulement. Ça dépend dans le contexte. Je veux parler de que. Comparé au nombre de personnes qui existent dans le monde, tu as 5 millions de personnes qui t'ont écouté. Sur 7 milliards. Plus de 7 milliards. Donc, je peux te dire que tu as tué. Même si c'est 1 milliard de personnes qui t'ont écouté, tu te rendre compte qu'il y a encore 6 milliards de personnes qui ne t'ont pas encore écouté. Il faut encore la promotion. Donc, aucune promotion n'est de trop. Aucun argent n'est de trop. Aucune vente n'est de trop. C'est la même chose qu'elle parle. Quand les gens disent, non, Kimi, mais il faut bien, même si elle ne part pas au Burkina, elle peut bien rester en Côte d'Ivoire, elle vend plus que ce qu'elle va vendre là-bas. Oui, elle va vendre, imaginez si au Burkina, elle vend 100 millions. En Côte d'Ivoire, elle vend 100 millions. Mais si elle vend les 100 millions, elle part encore au Burkina, elle vend 150 millions. Ça fait 150 millions, ce n'est plus 100 millions. Vous avez compris? Elle peut-tu vendre ce que vous dites là? Elle vend ça en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas encore au truc. Elle vend encore. Pourquoi ne pas vendre dans les deux endroits? Mieux vaut vendre dans les deux endroits qu'un seul. Oui? Vous avez dit non.
peut-être en Burkina, elle va seulement vendre 50 millions. Hein. Si elle décide, peut-être elle va vendre 100 millions. Oui, qu'elle vende donc les 100 millions là-bas, elle part aussi au Burkina, elle vend encore les 50 millions qu'elle doit vendre là-bas, ça va faire 150 millions au lieu de 100. Vous comprenez où je veux en venir? Aucune vente n'est de trop. C'est ça. Que vous dites, aucune vente n'est de trop. Non, elle peut rester en Côte d'Ivoire, elle vend plus que ce qu'elle. Hein, laissez-nous ça. Même encore ça a sorti le truc là, laisse ça. Laisse ces histoires là. C'est pour vendre ce que vous dites en Côte d'Ivoire. Et pas encore, elle vend au Burkina. Et pas encore au Mali, elle vend. Et pas au Sénégal, et pas au Cameroun. Vous ne trouvez pas que c'est mieux? Que de ces vendeurs, même ce que la Côte d'Ivoire achète combien, vous allez acheter plus que ce que tous les autres pays là vont acheter. Non, jamais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le business, c'est l'entrepreneuriat. On doit compter sur tout le monde pour ça. On compte, vous connaissez les besoins de Kimi. Hein? Vous dites non, c'est un truc, tu vas. Vous connaissez ses besoins. Ah ah. Et Wanda même chez vous. Hein? Donc aucune promotion n'est de trop. Ce que Kimi fait là, c'est de la grosse promotion. Oui, c'est de la grande promotion pour le truc d'Axel, oui. Hmm? N'est pas obligé de le faire. Hein? Même ses chansons, même souvent embrasser la mariée avec Métis, tout ça, ils se mettent à danser. Non, moi, c'est des gestes que non. On n'a pas souvent resté comme ça, on regarde seulement, on pense seulement que, wow, écoute, derrière Axel, les gens vont seulement pour avancer les sales mots. Écoute, derrière Axel. Pensez au positif, non, regardez ce que d'autres disent. Écoute, Axel n'a pas son temps, hein. Axel a son tout. Non, regardez plutôt l'aspect positif de ça que merde. Vous dites oui, mais ça c'est la publicité qu'elle a fait pour la chanson. Vous pensez qu'elle va être la maître Kimi, parce que dans Kimi, on parle d'elle. Non, elle met les autres. Elle met même la Japiano, elle chante, elle danse. Oui, elle met embrasser la mariée. Voilà, maintenant elle est tombée sur. Eh mais ça va péter. Aïe, ça va péter. Soumangana, ça va. Elle l'adore, alors ça va péter. Maintenant, c'est qu'elle est sur titulaire. Bientôt, vous allez tomber sur zone. C'est comme ça. C'est la promotion. C'est la promotion. Oui. Non, j'ai finalement compris ça comme ça. Hein. Vous ne voulez pas comprendre ça comme ça. Ça, c'est votre problème. Mais moi, j'ai compris ça comme ça. Là. Ça, c'est de la promotion qu'elle fait pour Axel. Hein, Kimi? Continue comme ça. C'est comme ça que même. Parfois, quand quelqu'un veut même te détester, même, après, il se rend compte que même mon frère, il déteste même la fille. Pourquoi? Oui, oui. Non, parce que tu as tué. Elle a tué les petits beaux gestes là. Les petits gestes de bonté là. Vous comprenez, non? Tu les petits. Elle a ses défauts. Elle n'est pas parfaite. Oui, on sait. Sur l'affaire de Prada là et tout ça là, on sait qu'elle a un peu quand même un peu fuck up là-bas. Oui, mais. Aka, laisse. Il faut nous laisser ça. Ça, c'est une bonne fille, dis donc. Moi, ça m'a plu, hein. Moi, ça m'a trop plu. On se prend à terre maintenant pour une nouvelle vidéo. En tout cas, merci Kimi pour la promotion. Merci. Moi, je te dis merci. Si les autres ne veulent pas voir ça comme ça, je vois ça comme ça. Merci pour faire la promotion de ton grand frère, de mon petit frère Sou. C'est de ça qu'il s'agit. On se prend à terre maintenant pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto. Surtout, ne mettez pas les organes.